Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et c'est un peu spécial. J'ai décidé de reprendre les unboxings de Lou Kero. Alors, j'ai regardé sur mon contenu sur YouTube et j'ai vu que théoriquement c'est ma cinquième box que je viens de recevoir. Je m'attendais à être un petit peu plus rigoureuse avec cette box là, mais c'est vrai qu'elle m'a un peu déçue parce qu'au niveau de la click and fit, le style est totalement différent chez Lou Kero. C'est plutôt un style assez basique, on va dire, des choses qui sont très banales, très sobres, tandis que chez click and fit, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent. En fait, vous avez de la dentelle, des plumetis, des choses un petit peu vraiment dans l'air du temps, de la tendance actuelle, alors que chez Lou Kero, c'est plus pour les personnes qui aiment, voilà, qui ont un style un petit peu plus simple. Donc c'est pour ça que j'aimais pas trop la Lou Kero, mais je me suis dit que j'allais retester. Donc je l'ai reçue ce matin, toujours dans le même packaging, dans la même boîte, quoi, le même colis. Par contre, le souci, c'est comme vous le savez, j'ai accouché il y a un peu moins de 3 mois, quoique ça fait 3 mois depuis le 26 février. Je n'ai toujours pas perdu la totalité de ce que j'ai pris durant ma grossesse. Donc du coup, au niveau des tailles, je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis. Je sais que chez Kiabi, je fais un 36, chez H&M aussi. Donc je me suis dit, je vais changer mon profil et je vais mettre vraiment les tailles 36 et puis on verra ce que ça va donner. Normalement, chez Lou Kero, ce qui change de chez Click & Fit, c'est que vous avez une paire de chaussures en plus. Si je ne me trompe pas et si c'est toujours le cas, parce que je sais que j'avais déjà commandé et j'avais pas tout le temps reçu une paire de chaussures. Donc on verra. Mais par contre, quand vous remplissez votre profil, justement, il vous demande votre pointure de chaussures. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc c'est bien emballé sous sachet. Et vous avez une petite enveloppe Lou Kero. Où dedans, normalement, vous avez les outfits, enfin les tenues des vêtements qu'ils vous ont envoyés, comment les porter si vous avez pas forcément des idées de comment assembler les vêtements. Ils vous donnent justement une petite planche pour pouvoir les assembler. Alors vous avez la facture, on la regardera tout à l'heure. Ensuite vous avez le mot, donc un mot où justement votre personal shopper, donc là c'est Clarisse. Et en fait, elle vous détaille les articles qu'elle vous a mis dedans. Et normalement, elle vous dit aussi à combien vous êtes au niveau de la box, je crois. Bon, moi, je n'ai pas forcément écrit. Plaf, plaf, j'essaie de pas trop lire dans les détails, sinon ça va me spoiler ce que j'ai reçu. Félicitations pour cette belle nouvelle. Ah oui, ah c'est gentil. Je leur ai écrit, en fait, vous avez la possibilité d'écrire un mot en fait à la personal shopper, si par exemple vous voulez qu'elle vous mette tel ou tel article, tel ou tel imprimé, etc, etc. Moi je leur avais dit que j'avais accouché récemment et que niveau taille en fait je ne savais plus trop où est-ce que j'en étais. Et justement, bon, bonjour Clémentine, tout d'abord félicitations pour cette belle nouvelle. Laissez-moi donc vous présenter cette sélection qui sera égayer vos journées et vous faire oublier vos petits complexes, parce que oui, voilà, complexes de poids, etc. Donc c'est vachement gentil cette petite attention justement aux mots que j'ai écrits. Ensuite, gagner et offrez 10 euros. Donc ça, c'est le petit lien de parrainage que je vous mets de toute façon généralement automatiquement dans la barre d'information. Ça vous fait gagner 10 euros et ça me fait gagner 10 euros. Voilà. Et bien écoutez, on va commencer le déballage. Donc par contre, j'ai oublié de vous montrer. Ça va être un petit peu avec les looks. Donc ça, je vais pas le regarder parce que sinon, ça va me spoiler. C'est comme la facture, ce qu'on a reçu dans la box. Alors, premier article, je vois que c'est de l'imprimé marinière, donc on est sur un pull, donc le voici, col en V, donc très joli col en V, il m'a l'air d'être un petit peu court au niveau de la longueur, donc pas forcément crop top non plus, mais assez court, et j'aime bien, j'aime pas trop les pulls quand c'est trop long au niveau des hanches, donc imprimé un peu marinière on va dire, sauf que les rayures sont assez fines et c'est de couleur noire. J'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est quelle marque ? Alors, la marque Villa. Donc, la marque Villa, je pense que maintenant, tout le monde connaît cette marque-là. Je pense que je vous dirai les prix à la fin.
Je sais pas comment. Ouais, je pense que je vais peut-être vous les dire maintenant, comme ça j'oublierai pas. Alors, celui-ci, il est à 39,99 €. Donc après, un pull d'une bonne matière, bonne qualité. Donc ça vaut largement les 39,99 €. Après, en termes de matière, c'est des mailles assez épaisses et bien serrées. L'avantage, c'est que ça ne peluche pas, ou ça ne bouloge pas, on va dire, au bout d'un certain temps. Donc voilà pour le premier pull. Donc on verra ce que ça donne au niveau de l'essayage. Deuxième article, on est sur une chemise un peu matière soie, comme on en retrouve chez Zara. J'en ai une d'ailleurs de chez Zara que j'aime énormément. Là, elle est un peu en couleur vert. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur un peu comme ça. Donc, effet très brillant. Et elle est de chez Indie plus moi. Alors, c'est une marque que je ne connais absolument pas. Si vous, vous connaissez, dites-moi, parce que moi, je ne connais pas du tout. Voilà, la petite étiquette. Très jolie, par contre, avec le côté un petit peu fleuri. Au niveau du prix, on est sur 39,99 € aussi. Alors, par contre, les tailles, on est sur du S. Ouais, j'ai cru voir XS et je me suis dit, non, mais en fait, elle n'a rien retenu. Mais non, c'est bon, on est sur du XS. Alors, au niveau des manches, on est sur des manches un peu effet ballon, comme ça. Bon, après, c'est une chemise, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est juste le côté un petit peu soie qui change, la matière en soie qui change un peu. Donc, on verra ce que ça donne. La couleur aussi est très originale. Ensuite, prochain article. Alors, je crois que j'ai décoché à ne pas recevoir parce que chez Click and Fit et chez Look Hero, c'est un truc que j'avais demandé à pas recevoir tout ce qui est, on va dire, accessoires, foulard, écharpe, collier, boucle d'oreille, etc., etc. J'avais décoché ça, je voulais pas recevoir ça. Et sur Look Hero, j'avais fait la même chose, j'avais demandé à pas recevoir de manteau et de veste. Et là, par contre, je me suis dit, oh, bah, on va craquer et on va voir un peu ce que ça donne au niveau des vestes. Donc, j'ai décoché les vestes et par contre, j'ai demandé à pas recevoir les manteaux. Donc là, j'ai reçu justement une veste, donc en style perfecto, mais c'est une matière daim. Elle vient de chez Morgan. Donc après, voilà, c'est une veste, c'est un intemporel en fait, c'est la veste qu'on est censé avoir dans son dressing et elle va vraiment avec tout. Elle est très jolie. Vous avez un petit peu le côté design des fermetures juste ici. Donc, elles font pas le tour derrière. Au niveau de la coupe, elle a l'air d'être très cintrée, très jolie en tout cas. C'est une marque 36, enfin c'est une marque. C'est une taille 36 et je commence à m'embrouiller, ça va pas aller. Donc la taille c'est du 36 et c'est la marque Morgan. J'aime bien les habits chez Morgan, mais je trouve que c'est relativement très cher. Mais après vous avez la qualité. Quoique maintenant, même si ça vaut cher, des fois la qualité c'est de la merde. Et elle est à, mon Dieu, alors 65 €. Je me suis dit mais c'est 100 € là juste au-dessus, mais en fait non. Elle est à 65 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est une veste qui m'a l'air quand même de très bonne qualité. Ensuite, on est sur un pantalon couleur bleach, donc un bleu comme ça, un bleu très clair bleach. Et c'est de la marque Only. J'adore les pantalons de chez Only. Franchement, je suis fan de leurs pantalons. Au niveau de la matière, de la qualité, de tout en fait, même dans le temps, les pantalons de chez Only, franchement, foncé, c'est le top de chez top. Donc voilà, c'est une coupe skinny et il s'appelle Paola Ein Waist, donc normalement il est censé être bien près du corps, donc totalement ce que j'aime. Au niveau de la taille, donc c'est un S. Et en termes de prix, il est à 39,99 €. Bon, c'est pas donné, mais franchement au niveau de la qualité, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup, vous voyez, il est bien extensible. Et on se sent bien à l'aise dedans. C'est pas le jean avec les matières très épaisses où on se sent absolument pas du tout à l'aise dedans. Donc après, en termes de, oui, vous avez le côté un peu déstructuré ici, craqué et puis un peu délavé à ce niveau-là. Voilà. Donc non, il m'a l'air sympa. On verra au niveau du porté ce que ça donne. Dernier article, on est encore sur un pantalon et cette fois-ci il est de chez qui? Alors, de la marque Toxique. Alors, ouais, c'est ça, Toxique. Je ne connais absolument pas du tout cette marque. Je vous montre l'étiquette. Donc, Toxique. Voilà.
Donc, il est en taille S également et au même prix, 39,99. J'ai l'impression qu'elle a sélectionné que des prix dans 40 euros à peu près. Il n'y a pas moins et il n'y a pas plus, hormis la veste. Mais sinon, les restes, c'est 39,99. Donc, après, en termes de matière, il est extensible. Donc, vous avez de l'élastane dedans. Donc, ça, c'est bien, comme je vous ai dit avant. Ça évite de se sentir trop oppressé dans le pantalon. En termes de coupe, ça m'a l'air d'être un skinny, mais je regardais au cas où. Hein, peut-être un skinny ou un slim, j'ai un doute, mais c'est pas marqué en fait. C'est pas du tout marqué, on verra l'essayage si c'est un slim ou un skinny. Mais après, au niveau de la couleur, on est sur un rouge bordeaux. Donc totalement le genre de couleur que je mets tous les jours, ou pas du tout. J'en ai aucun de cette couleur-là. Bon. Ceci dit, ça change et c'est vraiment la couleur qu'on va retrouver au niveau du printemps. C'est une couleur qui va ressortir énormément avec du noir, du blanc, enfin, ça va relativement avec tout. Et c'est ça qui est plutôt pas mal. Et puis, ça permet de mettre un petit peu une touche colorée dans sa tenue. Donc, franchement, c'est le top. Après, je n'en ai pas de cette couleur-là. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais remettre souvent. Moi, je suis plutôt dans les couleurs assez simples au niveau du pantalon. J'aime pas trop mettre de couleurs sur le bas, hormis les robes où là j'aime bien les prendre colorées. Mais au niveau des bas, j'aime bien prendre voilà, les bas qui sont assez enfin, des couleurs qu'on voit tout le temps, quoi. Tout ce qui est bleu, noir, blanc à la rigueur. Et encore, vu que c'est salissant, j'en mets pas des masses. Mais ouais, cette couleur-là, ça peut changer. Bah écoutez, on va passer à l'essayage, juste à l'instant, tout de suite. Donc, vous avez pu voir les essayages juste précédemment. Maintenant, on va passer, on va dire, à la facture. On va faire un petit débriefing. Donc, les prix, je vous les ai déjà tous dit. Donc, au niveau de la facture, on est sur un total donc, de 214,87 €. Donc là, forcément, vous avez payé les 10 euros des frais de personal shopper. Donc, forcément, ils sont directement déduits de la facture, donc le total des articles. Sinon, on est sur un total de 224,87 € si on n'enlève pas les moins 10 euros des frais de personal shopper. Par contre, je viens de voir avant, en fait, quand j'ai fait mon avant-dernière box de chez Look Hero, il faisait comme chez Click and Fit. Si vous preniez la totalité des articles, vous aviez moins 20% ou moins 30%, je sais plus. Qui est qui fait les moins 25% ou les moins 20%, je ne sais plus du tout. Je sais que la Little Cigogne fait également ça. Si vous preniez la totalité des articles, vous aviez une réduction. Sur Look Hero, c'était moins 25%. Et là, je viens de voir qu'il ne le faisait plus du tout. Et ça fait chier. Franchement, c'était plutôt pas mal. Parce que si vous aviez eu un coup de cœur sur tous les articles, bah, vous aviez une réduction, franchement, qui valait largement le coup. Et là, il n'y a pas du tout. Donc, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais prendre. Déjà, la veste de chez Morgan, je ne la prendrai pas. Je la trouve quand même très chère. Et puis moi, les vestes, j'en ai déjà pas mal. J'avais envie juste de tester ce qu'ils pouvaient m'envoyer, eux, par curiosité. Après, au niveau des pantalons, je pense que vous avez dû le voir. Le bordeaux, c'est une couleur que je n'ai pas forcément et j'ai peur de ne pas le remettre en fait dans le temps, c'est sûr même. Donc c'est pour ça que je ne préfère pas le prendre, surtout à ce prix-là.
à la rigueur, je préfère aller dans un magasin genre type Kiabi et en prendre de cette couleur-là qui sera moins cher parce que je sais que je le mettrai pas assez souvent. Donc au niveau rentabilité, bah, il n'y en a pas forcément. Donc c'est pour ça que je ne le prendrai pas celui-ci. Au niveau de chez Only, le pantalon jean bleach de chez Only, il me sert énormément. Mais après, comme je vous ai dit, je compte perdre du poids et revenir à mon poids, j'espère, d'avant. Donc c'est pour ça que normalement j'espère ne plus faire ne plus faire un 36. Mais bon, après, si je fais quand même un 36, c'est pas la fin du monde, hein, ceci dit. Donc je pense que le jean, je ne prendrai pas parce qu'il est un petit peu trop serré et c'est pas non plus un énorme coup de cœur et j'en ai déjà dans mon armoire. Ensuite, donc on passe sur la petite chemise juste ici en soie. La couleur, je suis pas forcément fan, j'aurais préféré une autre couleur. Et comme vous voyez, au niveau de ma poitrine, il est un petit peu serré. Dès que je fais ça, ça s'ouvre un petit peu. Mais sinon, au niveau de la couleur, je suis pas spécialement très fan. Par contre, j'ai eu un réel coup de cœur sur le pull. Donc, je pense que vous avez dû le voir aussi à l'essayage. Finalement, j'avais raison, c'est un pull très court, un petit peu effet crop top, on va dire, un peu l'entre-deux. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Et celui-ci, c'est un réel coup de cœur et je pense qu'à mon avis, je le garderai, c'est sûr. Et bah écoutez, on est sur la fin de cette vidéo. J'espère que l'unboxing de la Look Hero vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous filmer des unboxings. J'en prévois d'autres prochainement. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.